Voilà, donc nous sommes le 31 mars. Je m'appelle Eric, je suis de Strasbourg. Ça fait 25 ans que j'habite à Hong Kong ici. Et Hong Kong, c'est donc une ancienne colonie britannique, mais c'est une ville de 7 millions d'habitants, 95% de Chinois, bien sûr, et avec une densité de presque 7000 personnes au kilomètre carré, c'est-à-dire une densité 60 fois supérieure à celle de la France. Et aujourd'hui, après 3 mois d'épidémie, on doit compter environ 600 cas et seulement 4 décès liés au coronavirus. La grosse différence par rapport aux chiffres auxquels on assiste aujourd'hui, et c'est dramatique en Europe, aux États-Unis, c'est que ici, comme vous le voyez, 100% des personnes portent le masque. Tout le monde porte le masque dans la rue. Il n'y a pas de confinement, seules les écoles sont fermées. Mais par contre, les magasins sont ouverts, les restaurants sont ouverts, le shopping, les centres commerciaux sont ouverts et comme on le voit, c'est une activité quasiment normale, sauf avec le fait que tout le monde porte le masque. Si on compare par rapport à New York, qui a aussi 8 millions d'habitants et qui compte aujourd'hui jusqu'à 500 morts par jour, c'est dramatique. Le port du masque ici fait toute la différence. Parce qu'on voit que sans obligation légale, sans avoir forcément de contrôle policier à tous les coins de rue, c'est machinalement que les gens sortent de chez eux, sortent du bureau, vont faire leurs courses ou sortent tout simplement avec le masque en permanence. L'Alsace, qui n'a qu'à 1 800 000 habitants, soit une population de 220 habitants au kilomètre carré, ce qui encore une fois est quasiment 40 fois inférieur à la densité que l'on a ici, on compte aujourd'hui presque 500 morts à la fin du mois de mars. Ici, on est à 4 décès en 3 mois.